Salut Sayen. 11e jour de confinement ou 12e, on sait plus. On sait plus si on est lundi, on sait plus si on est samedi, on est quel jour, Eden? Jeudi. On est jeudi. On est jeudi aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas qu'on va de nouveau travailler techniquement. 11 ou 12e jour de confinement, 3e séance de vidéo. Pour pouvoir s'entretenir techniquement, vous verrez aujourd'hui, objet insolite. Puisque nous aurons besoin d'un balai. Je pense que chacun a un balai chez lui pour travailler techniquement. Ça marche? À tout de suite les Saiyans. Ok, donc pour cette vidéo, comme j'ai dit, avec notre balai, notre ballon et notre Eden, ça va se passer de la façon suivante, ça va être très simple. On va poser notre ballon, notre balai, on va le coucher. Ça va être un travail de proprioception, donc de saut de droite vers la gauche avec un petit travail technique avec l'intérieur du pied. Proprioception, c'est tout ce qui est travail de prévention à la blessure. Donc là, on va faire prévention blessure des chevilles, des genoux et un petit peu de renforcement au niveau des cuisses également. D'accord? C'est parti, Eden, tu te mets en place. Voilà, dans un premier temps en avançant et dans un deuxième temps en reculant. Encore, on pose. Voilà. Tu te sens pour faire en arrière? Vas-y. Allez. En arrière. Ah, difficile hein. Ouais, c'est pas grave. Plus dur la cheville. Plus dur la cheville, dur. Celle que tu poses et celle-là aussi. Dur, dur, dur la cheville. Ok. Sens, on a travaillé le pied droit, donc on va travailler quel pied cette fois-ci? Le pied gauche. Ça va être dur? Ouais. Allez, on va enchaîner dans la foulée, on va voir si Eden a un pied gauche, d'accord? Tu vas te mettre tout de suite sur ton de l'autre côté, on appuie pied droit, équilibre pied droit, d'accord? Attends. Non, voilà, équilibre pied droit, et tu reviens ici, pied gauche. Ça va, c'est pas mal, hein? Voilà. Encore. T'as un meilleur équilibre du pied droit, mais une moins bonne passe, c'est pas grave, reste, et voilà, on récupère, vous faites une série d'allers-retours, 2 ou 3 allers-retours, récupérez, 2-3 allers-retours pour récupérer, et ensuite vous changez de jambe, en même temps on travaille les mollets là, c'est bon. Avec le pied gauche, là, ok, recule pas. Une dernière. Si on peut faire l'aller-retour également, là, okay. Deuxième exercice, toujours avec notre ami le balai, un travail de protection de balle avec une logique simple. Lorsque le ballon est sur votre droite, vous protégez le ballon avec votre bras et vous gardez votre adversaire sur votre gauche, et inversement. Lorsque votre ballon est sur votre gauche, vous protégez le ballon avec votre bras droit. Vous laissez toujours votre corps entre l'adversaire et le ballon pour utiliser votre pied gauche. Allez, c'est parti. Le ballon avec le bras droit, là, on protège son ballon. On garde l'adversaire à portée. Un adversaire et qui veut te prendre la balle, tu dois te mettre où? Comme ça. Voilà, tu te mets entre lui et que tu utilises quel pied? Droit. Voilà, pourquoi? Si tu utilises le pied gauche, moi je suis là, d'accord? Ouais. Si tu utilises le pied droit, vas-y, utilise le pied droit. Garde la balle avec le pied droit, garde la balle avec ton pied droit, tu vois? Là, moi je peux pas y accéder, d'accord? C'est pour ça que tu dois utiliser ton pied droit quand moi je suis ici, d'accord? Et la balle inverse.
Maintenant, imagine que tu utilises ton pied droit, ton pied gauche. Mets ton pied gauche, vas-y, vas-y. Avec ton pied gauche, Ben moi, je suis là, d'accord. Prends ton pied gauche, ton pied droit maintenant. Là, je ne viens pas. Ou alors, on va te faire une faute, d'accord. De l'autre côté, si moi, je viens ici, tu prends droit. Voilà, encore. Voilà, là, tu protèges. Là, pareil. Mets-toi bien entre lui. Voilà, ici, pareil. Encore. Et appuie. Voilà, appuie ta passe. Voilà, les Sayen, c'était les deux exercices du jour. J'espère qu'ils vous ont plu. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu? Le deuxième exercice, protection de la balle. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien protéger la balle? Se mettre entre l'adversaire et le ballon. En faisant quoi? En le poussant avec le bras. En le poussant avec les bras, mais oui, exactement. Allez, qu'est-ce qu'on leur dit à nos Saiyans avant de partir? À plus les Saiyans. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.